بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. chapitre 98، un chapitre qui a des hadiths là-dedans. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها. Un chapitre sur le fait qu'il est mustahab quand nous parlons namaz Eid, ou soit quand nous parlons visite un malade, ou soit quand nous parlons hajj, ou soit quand nous parlons dans ghazwa, ça veut dire dans bataille, ou soit quand nous parlons en janaza, ou soit ونحوها, ou soit n'importe qui dans les autres activité qui de sa grandeur là, ça veut dire que nous pouvons faire un grand travail, un grand ibadat. Al-zahab min tariqin wa rujou'i min tariqin akhar. Donc les mustahab qui, quand nous allons, nous prend un chemin, et quand nous retournons par un autre chemin. Donc nous chapitre l'eau là, qui les mustahab pour quand nous allons faire ce grand travail là, nous allons par un chemin et nous retournons par un autre chemin. لتكثير مواضع العبادة، pour qui nous augmente quantité ban مواضع، quantité ban place que nous pouvons faire ibadat. Alors, en ce moment, nous expliquer qui veut dire augmente مواضع العبادة. Alors, hadith, premier hadith, c'est hadith 719 عن جابر رضي الله عنه قال، rapporté par سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لجيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد quand arrive jour Eid le prophète صلى الله عليه وسلم tient à l'habitude خالف الطريق, il tient à l'habitude faire un différent chemin. Ça veut dire quand il y allait il prend un chemin, et quand il retourne il prend un autre chemin. L'autre hadith dans sa chapitre là, hadith 720 وعن ابن عمر رضي الله عنهما، donc rapporté par سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. كان رسول صلى الله عليه وسلم تبع الحج لتبي سوتي، donc لي dans مدينة لي بزال مكة pour faire حج. Les types sortis par Tariq al-Shajara, un ensemble qui appelle Sime de Shajara. Tariq al-Shajara, c'est un ensemble. Pareil comme à Stella, nous avons différents Sime, nous avons l'autoroute, nous avons la route royale, nous avons M1, M2. Donc longtemps, nous avons un ensemble, et ce type appelle ça un ensemble là-bas, non. Comme tout le temps, c'était le cas. Donc quand les types sortent dans Madina, les sortis par Tariq al-Shajara, là, ils passent par Dhul Hulaifa. Nous connaissons Dhul Hulaifa, c'est une place côte. Ça même qui, ben, j'imagine qui sort dans Madina, j'ai miqat là-bas. Donc, arrive là-bas, j'ai besoin d'entrer dans les ihram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, tu peux là-bas. Et il tu peux passer en la nuit, Dhul Hulaifa. C'est une place qui a été là aussi, il y a encore. Je t'ai aménagé, je t'ai mis de facilité, comme ça, ben, voyager, ben, tu peux aller vers Makkah, puis faire Umrah ou Sahaj. Je suis capable d'arrêter là-bas, baigner, mettre dans les ihram, faire le namaz, tout ça. Là, tu peux faire la nuit Dhul Hulaifa, là, il rentre dans Mecca. Et quand tu peux retourner, donc, il fait un autre chemin qui appelle Tariq al-Mu'arras. Il fait un autre chemin, il est venu. Wa idha dakhala Mecca. À ce moment-là, quand il rentre dans Mecca, dakhala min al-thaniyat al-ulya. Il rentre par al-thaniyat al-ulya. Thaniyat veut dire un chemin étroit qui trouve entre des montagnes. Un chemin mince qui trouve entre des montagnes. Ça s'appelle Sanfania, un sentier. Nous allons dire un sentier dans une vallée. Alors, comme on nous connaît, Makkah est entouré avec une montagne. Donc, il y a un tas de vallées dans lesquelles finalement un sentier qui nous fait pour rentrer dans Makkah. Donc, il y a un sentier qui est plus là-haut, Al-Ulya veut dire plus haut. Et il y a un autre sentier qui s'appelle Al-Thaniya Al-Soufla, ce qui est plus bas. Donc les types rentrent dans Makkah par Al-Thaniyat al-Ulya et les types sortent par Al-Thaniyat al-Soufla. Al-Thaniyat al-Soufla, c'est ça même qui t'appelle Al-Shubaika. Alors, ça des hadiths-là montrent nous qu'ils peuvent faire des chemins différents, un pour aller, un pour venir. Et là, ben, l'Ulama a mentionné que quand ils rentrent dans Makkah, ils rentrent par chemin qui plie haute. Donc, comment dire, ils font une grande rentrée et quand ils sortent par les contraires.
Alors, qui fait à ce là nous fait la différence mais. Première raison qu'on va nous l'a mentionné, c'est parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'infiali. À cause de l'infiali, nous suivons sur raison, nous suivons sur l'exemple, nous suivons sur sunnat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Comme Allah dit dans le Coran, certainement, je ena dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour un modèle parfait. Donc, l'infiali, ça nous fait aller pareil. Il y en a beaucoup bien fait là-dedans, qui nous pas connaît. Et n'a pas les autres raisons encore qui vont nous l'a mentionné. Par exemple, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, lui-même, et il a écrit beaucoup de livres, hein, énormément de livres, il finit écrire. Parmi là-dedans, il a char Sahih Muslim avec encore, ben les autres encore. Il dit que an al-hikmata min taghyir al-tariq. Hikmat, sagesse, dans le sens si même, huwa takfir al-ibada. Ou augmente le nombre d'ibada. Qui fait? Dans quelle façon? Alors, waqila, alors, ben ulama fin dit, liyashhada lahu al-tariqan yawm al-qiyama. Ça décime qu'il fait une faire là, je te peux donner témoignage dans ce faveur, yawm al-qiyam. Alors, les bons nous connaissent, qui, quand nous peut faire une action, ça va l'endroit que nous peut faire, ça va action là, je témoigne dans nos faveurs, yawm al-qiyam. Dans nos faveurs, ou soit contre nous. Si un dimanche nous fait un mauvais travail, alors, ça, l'endroit là pour témoigner contre lui, mais c'est moi, s'il fait un bon travail, ça, l'endroit là pour témoigner dans ce faveur. Alors, nous avons l'espoir qu'il s'en masjid là pour témoigner pour nous, yaoum al-qiyama. Ça va en différentes places que nous finissons d'ibouter, nous finissons faire ibadat, nous finissons faire namaz, et ben les autres bonnes actions. Ça vous vient témoigner dans nos faveurs, yaoum al-qiyama. Comme on nous connaît, yaoum al-qiyama, ben beaucoup ben la bouche pour fermer, mais ben les autres objets qui autrement je ne pas causer, ben la main, ben les pieds, ben la peau, tout ça là, Allah vous donne d'autres possibilités, la parole. Je te pour causer, je te pour témoigner, pour ou soit contre, bandimoun. Alors, plus nous en place, nous multiplier place que nous fait namaz, plus il est bon pour nous. Donc, nous faire différents places. Alors, un des bonnes sagesse là-dedans, c'est qui quand il ne passe pas en simé, nous connaît, sa simé là, faire droit pour lui, une créature qui est là-dedans pour faire droit pour lui. Pas juste hajj, pas juste omra là, hein. Il y a beaucoup de grand travail qu'on nous fait. Dis-moi là, quand il finit en gaz, il est dans l'idée d'Allah, ce simé là. Alors, une créature fait droit pour lui dans le ciel, dans la terre, même dans des loups, je te fais droit pour lui. Alors, quand nous passons par l'autre simé, les autres objets, les autres créatures encore fait droit pour nous. Donc, nous augmente sa quantité, ibadat là, sa quantité sawab là. C'est pour ça qu'il met ça. Les takfiri mawad de al-ibad. Dans le titre, la place que nous faisons ibadat, nous augmente. Et ben ulama aussi fin dire ou li isha'ati dhikrillahi fiha, donc pour nous répandre Allah subhanahu wa ta'ala ce zikr là-dedans, donc dans plus beaucoup place nous fait Allah ce zikr ou li tasadduqihi ala fuqara'iha, pour qu'il lui donne sadaqa à plus beaucoup bandimoun misère. Alors il y a une coutume, ça, il y a une pratique qui quand bandimoun li pial hajj, li pial umrah ou soit li pial dans une place, et bandimoun la connaît. Qui quand il y a sa place là, donc quand nous parlons Hajj Urma, il y a la foule. Alors, les gens là, ils profitent, ils font sadaqa. Donne les gens une misère. Faire sadaqa quand ils allaient. Alors, quand mon passeport est simé, mon fait sadaqa. Et mon passeport est l'autre simé, mon fait une autre sadaqa encore. Donc, mon quantité sadaqa, les fin augmenter. Et donc, plus beaucoup de gens capables de bénéficier par nos passages. Et, ou ta'arroud ili rahma, ou soit nous. Comment dire, mettre nous-mêmes plus dans Allah sur Rahmat. Quand nous pouvons faire différents simé, chaque simé là-dedans, chaque pas qui nous peut faire, il permet Allah sur Rahmat là nous. Donc quand nous ne passons pas dans un simé différent, Allah sur Rahmat peut descendre. Donc plus beaucoup l'endroit peut imprégner avec Allah subhanahu wa ta'ala sur Rahmat. Donc, dis-moi là, les bénéficiers, ben, l'endroit qui peut passer bénéficier, ben, dis-moi qui là-dedans, les autres bénéficiers. Alors, ça c'est une affaire mustahab. Donc, les bons nous prend l'habitude. Nous faisons un simé différent. Quand nous faisons le Hajj, dans l'Umrah, mais c'est même les autres activités. Donc là-dedans, il mentionne Namazid, quand nous parlons de malade. C'est une grande action, ça. Il y a énormément de bénéfices là-dedans. Par exemple, quand nous parlons de malade, ça consiste à l'ange qui fait un doigt pour nous là. Donc quand nous passons pas dans les autres simé, il y a beaucoup de bénéfices en plus là-dedans. Et Hajj, il y a Al-Ghazou, quand on peut faire Ghazoua, ça veut dire Jihad. Quand on peut suivre un Janaza, aller à l'ensimé, donc nous pouvons suivre l'ensimé qui dit pas quand nous retournons, s'il est possible, nous faire l'autre simé, nous venir. Et ou soit n'importe qui les autres, un grand travail comme ça.
Donc nous faisons dua que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfir. Pratique sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mette en pratique ban action qui Allah donne nous connaissance et donne nous tawfir. Pour qui quand nous faisons ban action nous augmente ban sawab qui nous gagne. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfir. Faire beaucoup sa ban bon action, sa ban grand action. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala verse rahmat l'onu. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.